Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis encore tombée sur une idée géniale à réaliser avec des rouleaux de papier toilette. Vous avez grandement apprécié la réalisation de cette petite box à partir d'un rouleau. Je me suis dit, pourquoi pas vous proposer aussi cette idée. Une idée qui vient de la chaîne D White Dia White. Je pense pas que je le dis correctement, mais en barre d'infos, je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez la découvrir. Elle réalise des fleurs de lys. Et regardez-moi ça. Le résultat est vraiment magnifique. Je vais donc vous montrer comment réaliser ces fleurs de lys. Pour ça, vous allez avoir besoin de 7 rouleaux de papier toilette, d'un pic à brochette et de votre pistolet à colle. Pour commencer, vous allez tout simplement couper votre rouleau au centre. Vous allez le déplier. Et dans cette partie de carton, vous allez découper un carré qui fait 9 cm par 9. Une fois que vous avez votre carton de 9 cm par 9 qui est découpé, on va pouvoir commencer. On va venir plier le carton. On prend le côté et on vient le plier sur le côté opposé pour former un triangle. Alors pour ça, parce que le carton est assez rigide, vous allez le travailler un petit peu pour que vous a... pour pouvoir... Ah ben je vais y arriver. Pour avoir plus facile à plier votre carton. Donc, je mets mon carton bien sur la pointe et je viens tout simplement plier. Je vais me servir de mon plioir pour bien marquer le pli. Je me retrouve donc comme ceci avec mon triangle que je vais ouvrir. Alors, voyez, ici, si vous avez le carton qui s'en va, c'est pas très grave. Vous pouvez mettre un petit point de colle si vous voulez qu'il reste correctement, mais ça ne se verra plus quand on aura fini de plier. Donc, vous avez votre triangle, vous allez le déplier et vous allez replier la moitié ici sur la ligne centrale comme ceci. Donc, on va bien aligner ici avec le centre et la pointe juste ici. Une fois que c'est plié, on vient marquer le pli. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on met bien notre carton bien au pli ici. Et ici, on va bien plier la petite pointe. Alors, c'est assez rigide. Donc, n'hésitez pas à tenir votre carton fermement. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer avec mes plis en venant plier ce coin-ci vers le centre. Donc, je le prends. Je le rabats ici vers le centre et je fais bien attention à plier ma pointe juste ici. Encore une fois, je viens bien marquer le pli avec mon plioir et je fais la même chose ici. Je prends mon coin que je rabats ici sur le centre et ici en haut, je viens également marquer le pli. Voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir une feuille de votre fleur. Vous allez répéter l'opération 6 fois, donc pour avoir 6 pétales. Une fois que vos 6 pétales sont réalisés, vous allez prendre votre pistolet à colle. On va tout simplement venir un petit peu ouvrir nos plis et on va mettre de la colle juste ici à l'intérieur et ici à l'intérieur. Et on vient tout simplement coller. Vous allez faire ça pour vos 6 pétales. Après avoir collé vos 6 pétales, on va maintenant assembler notre fleur. Alors pour ça, c'est très simple. Toujours avec le pistolet à colle, vous allez venir mettre de la colle sur cette partie-ci. On prend un pétale et on vient juste le coller, juste comme ça devant. Je viens mettre de la colle ici. Je reprends un pétale que je viens juste coller comme ça devant. Et je vais continuer comme ça jusqu'à coller mes 6 pétales. Une fois que vos 6 pétales sont collés ensemble, on va rajouter de la colle ici. Et on va venir coller
le pétale juste ici en venant plier. Alors, je maintiens correctement en place le temps que ça colle. Je vais poser mon pistolet à colle ici. Et j'obtiens comme ça ma fleur. Ce que je vais venir faire délicatement, c'est plier un petit peu comme ça. Mes pétales, donc, vers l'extérieur. Je vais prendre un bic et je vais venir crôler un petit peu, pas beaucoup. Donc, je mets mon bic à la pointe, je viens crôler. Alors, vous allez avoir un petit peu de difficulté parce que forcément, le carton est très rigide. Je prends la boucle, hop, je plie un petit peu. Vous pouvez bien sûr travailler un petit peu votre carton avant de venir faire une petite boucle avec la feuille. Ici donc, j'arrive au dernier, je le place et voilà. J'obtiens comme ça ma fleur. Dans un rouleau de papier toilette, vous allez découper un rectangle qui fait 6,5 cm de long sur 7,5 cm de haut. Sur les 7,5 cm de haut, vous allez venir découper, mais très très finement, juste à peu près un demi centimètre ici du bord. Donc pour faire l'intérieur de votre fleur. Vous allez découper des fines lamelles comme celle-ci tout le long de votre carton. Ensuite, je vais mettre de la colle, toujours au pistolet à colle, tout le long de mon carton. Et je vais tout simplement venir enrouler un bâton de brochette. Voilà ce que vous allez obtenir. Le centre de votre fleur est réalisé. Maintenant, on va tout simplement le rajouter à la fleur. Donc vous voyez dans le fond, vous avez un petit trou. Vous allez tout simplement passer votre pic à brochette, vous allez tirer comme ceci et vous allez placer le centre de votre fleur comme ceci. Alors, moi, j'aime bien laisser la fleur comme ça, donc je la laisserai comme ça. Mais pour la terminer, vous allez y ajouter des feuilles. Vous allez donc découper dans les chutes de carton, donc vous avez utilisé donc 6 rouleaux de papier toilette pour réaliser vos feuilles et vous avez des petites chutes comme celle-ci. Donc, vous allez découper à peu près une hauteur de 9 cm sur 3, un petit carton comme ceci. Vous allez le plier en deux. Donc, on va travailler le carton pour que ce soit plus facile. Vous allez plier votre carton en deux comme ceci. Marquez le pli ici au centre. Donc, pour ça, je prends mon plioir et une fois que c'est fait, on va tout simplement venir donc partir de ce coin-ci et on va venir découper notre feuille. Donc je le prends bien au bord comme ceci et je viens terminer ici. Je vais recouper un petit peu là. Vous allez avoir besoin de 3 feuilles comme celle-ci. Donc vous la dépliez, vous allez un petit peu la recourber et vous allez tout simplement mettre un petit point de colle ici et venir coller la feuille juste comme ça. Donc vous allez en mettre 3, une ici, une là et une là pour obtenir donc cette fleur de lys. J'ai oublié de vous dire, une fois que vous collez cette partie-ci, donc ce qui va être le centre de la fleur sur votre pic à brochette, vous venez ensuite le passer au centre de votre fleur. N'oubliez pas de mettre donc, comment je vais vous expliquer ça maintenant, de mettre un petit peu de colle donc au pistolet, juste au sommet du pic à brochette avant de l'insérer à l'intérieur de votre fleur pour que le pic à brochette donc soit bien collé à la fleur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos feuilles. Deuxième petite précision, c'est que
je vous ai donné les mesures donc pour la réalisation des feuilles ainsi que du centre, mais il y a des rouleaux de papier toilette. Donc par exemple, vous voyez la différence de ceci. Je vous ai donné les mesures, mais peut-être qu'en fonction du rouleau de papier que vous allez utiliser, eh bien les mesures ne seront pas les mêmes. Elles seront soit un petit peu plus grandes, soit un petit peu plus petites. Donc tout dépendra du rouleau de carton que vous allez utiliser. Voilà donc pour la réalisation de cette fleur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. En tout cas, moi je trouve ça magnifique. J'ai même l'intention d'en faire en couleur. Alors, ce que vous pouvez faire une fois que vos pièces sont pliées, vous pouvez les mettre en peinture. En blanc, en rouge, ce que vous voulez, avant l'assemblage de votre fleur. Moi j'ai envie de les faire en papier à la place du carton, parce que vous allez voir, si vous faites ces fleurs, le carton est quand même assez rigide et je me dis que cette méthode doit aussi fonctionner avec du papier. Donc comme ça, ça donnera aussi l'occasion de faire des fleurs colorées sans forcément avoir besoin de les peindre. Voilà donc pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir suivi, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous !